L'incitation à la consommation d'alcool, vous avez fait quoi pour cette personne? Ah, monsieur, genre, en règle, cette affaire-là, si on va dire, est plus. Je pense que c'est plus important que le fait d'inciter à l'alcool. Hein, je pense un homicide involontaire est plus important, vous concevez, je présume. Mais le souci, c'est qu'en dire, c'est que je peux pas, oui, je peux pas. Puis non, oui, parce que là, c'est parole contre parole, donc là, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de gagnant, Oui, il y mais a. bon, Oui, on peut pas prouver, quoi, on peut dans pas des cas prouver comme ça, ce techniquement, quoi. sera toujours parole contre parole. Ouais, après, vous savez, des fois, il y a En des tout cas, Monsieur le témoins, témoignages Préfet a bien extérieurs ou autre, fermé quoi, en oui. tout cas mon tonneau, et le tonneau ne serait pas été possible, bien sûr, si je lui aurais foncé dans le cul, hein, comme il a dit. Par contre, Je suis enfin, vous sûr et voyez. certain. Mais deux pneus avant ont répété, je me serais arrêté, mais net. Souci, oui, c'est pour l'homicide, on Alors que peut là, il rien était poussé faire. du côté gauche. Par contre, pour. Comment dire. Si le préfet, il peut décider de porter plainte, par contre, pour le moniteur, pour non-assistance à personne en danger. Dans le sens où vous Oui, avez par dit, il contre, je. préférait rigoler qu'appeler sa parente, par exemple. Ah oui, bah Ça, ça par par contre, contre, ça oui, peut c'est être. dire. Comment dire. Bah, je peux porter plainte également, puisque je suis au courant maintenant. Oui, vous. Dans Après, comment l'insistance dire. envers ma personne. C'est mieux que ce soit la victime, entre guillemets. Oui, après, oui, vous-même, c'est oui, vous, plus vous êtes. Oui, enfin, en plus, vous avez retrouvé tous les deux dans l'eau, en fait, hein, quand je comprends bien. Vous avez fini Alors tous le les deux préfet dans a l'eau, quoi. failli donc tomber dans l'eau, en effet. Ok, je vois. Bah, ça, on peut faire ça, bah, je vais aller voir, quoi. Ah, je vois, vous pouvez C'est retourner très gentil, hein, en tout cas. vers le préfet. Bah, le souci, c'est que, enfin, quand je crois les deux citoyens, mais le souci, c'est que, enfin, oui, il n'y a pas de. Oui, il y aurait, je sais pas, genre, un chasseur ou un garde forestier ou autre qui serait venu et qui nous a raconté, là. Ça tranchait, oui, ça tranchait, mais là, c'est parole contre parole, donc bon, là, c'est Il y avait 50-50, des quoi, comme on dit. poissons, une tortue. Ouais, le problème, c'est que ça parle pas encore, ça parle pas encore. Ouais, je vous en prie, monsieur. Ouais, malheureusement. En tout cas, très gentil, très aimable, hein, au service de qualité. On parle à conduite, hein, par contre. Hein. Au revoir. Pas moi qui conduisais, faut arrêter. Faut arrêter, kiffer. Par Ça va, contre, Clément? après, Ouais, je tout va comprends bien, que c'est juste que vous. monsieur le préfet voulait que je parte. Je lui ai dit que non, par contre, je pouvais attendre devant la porte, ça y a aucun souci. Il voulait que je parte pour qu'il aille fermer mon véhicule, donc je sais pas pourquoi. Oscar, Mais j'ai courrier dit 10. clairement que j'avais reçu votre ordre. Il m'a dit, mais oui, mais je suis monsieur le préfet. J'ai dit oui, mais j'ai reçu Oui, un monsieur le ordre de préfet est votre accusé, donc bon, là pour le moment, on va dire qu'il fait ce qu'on lui dit, part. quoi. Ah, tout Il à fait ce qu'on lui dit. fait. Hein. Allô, y a On va quelqu'un? jouer sur. Bah, vas-y, monsieur, vous pouvez rentrer, hein, sans souci. Ah, vous lui ouvrez. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? C'est vous qui m'avez appelé, Sandré? Non. Négatif, Ah, négatif. d'accord, autant pour vous. Donc, monsieur, rebonsoir. Oula, ça va, monsieur, ou. Prenez Oui, l'air, mais je prenez l'air. suis là. J'ai pas envie d'y tourner, c'est pour ça. Il peut vous retourner, monsieur, quand même, ça fait. Monsieur. Pardon, c'est parce que je suis un peu fâché, pardon. Ah, oui, quand même, ça. Quand même, là, on a moins des politesses. Donc, pour vous dire, monsieur, Dommage, pas fait. concernant. Concernant la plainte contre homicide involontaire. Oui. Enfin, chef d'accusation n'a pas été retenu puisqu'il n'y a pas de. Oui, quand dire, c'est parole contre parole, il n'y a pas de. Quand dire, il n'y a pas d'acteurs internes ou externes qui peuvent. Enfin, plutôt externes qui peuvent témoigner de la chose. Hein. Il n'y a pas un garde forestier ou un jogger ou un chasseur ou un cueilleur de champignons qui peuvent témoigner. Donc là, c'est parole contre parole, donc on va pas retenir. Par contre, il y a d'autres éléments qui ont été ajoutés qui créent un chef d'accusation. C'est non-assistance à personne en danger, pardon, monsieur. Lorsque il y a eu l'incident. Vous auriez, et la pente, ça a été, comment dire, ça a été vérifié par le préfet ainsi que l'agent de sécurité, contrairement au dernier chef d'accusation où c'était juste l'agent de sécurité qui pouvait témoigner. En fait, vous aurez rigolé au lieu de, comment dire, de prévenir les sapeurs-pompiers. En fait, la situation, C'est vous moi aurez été qui ai appelé les cocasse. sapeurs-pompiers, hein. C'est moi qui ai appelé les sapeurs-pompiers. Ouais, mais vous auriez mis un peu trop de temps, enfin, vous auriez préféré, oui, Pardon, j'ai rigoler à. juste demandé c'était quoi la fréquence parce que je la savais pas. Je Tout. vois. Je vois, je Mais vois. quand je sais pas, je peux pas téléphoner au zéro, hein. Ils vont me dire non attribué, ils vont me dire. Bah, c'est sûr, la U0, oui, ça. En plus, c'est surtaxé cette connerie. Du coup, ça faire autrement. Ah, ouais, donc, bah. Plus sur la fréquence que je suis encore dans leur bureau, Quand on est en. Pas messieurs en pompiers. porte du ça. Mais bon, enfin, ça, je vous mets en garde. C'est fait, oui, quand il y a un incident ou autre, hein, même si quand il y a une personne qui est en skate et qui tombe, hein, c'est peut-être drôle, mais le problème c'est que si y a un traumatisme crânien, Mais ça peut je vite n'ai pas rigolé s'aggraver, du puis tout, ça hein. Je n'ai finit pas rigolé du tout, hein. soit à l'hosto, soit ailleurs, quoi, oui. J'étais plus en stress Bon. qu'autre chose, hein. Bon, sachant que ça, c'est, oui, c'est vivement sanctionné, quoi. Non, bon, vous savez, monsieur le préfet, avec le choc, il peut avoir perdu ses mots aussi, hein. Oui, non, oui, je vois, je vois. Oui, pour dire, l'amende est de 75 000 euros, monsieur. Pour l'assistance à Bon. personne en danger. Donc, bon, voilà. Un petit conseil, réagissez au lieu de rigoler sous les faits. Après, voilà. Encore une fois, c'est juste parole contre parole, quoi.
Non, bon, on va vous libérer, si vous pouvez repartir sans souci. Par contre, concernant tout ce qui est, vous auriez, enfin vous et vos amis à l'entreprise, vous auriez proposé de l'alcool, enfin une bière, une binouze, hein, pour reprendre vos mots au préfet et à son ami. Alors, Est-ce vrai? non, par contre, une binouze, c'est pas une bière. C'est-à-dire, dites-nous la différence. Une binouze, c'est un jus de fruits, par contre. Je veux bien qu'on aille jusque-là, mais une binouze, c'est un jus de fruits. Hein. Pour vous, c'est quoi une binouze? Moi, une binouze, c'est une Une bière. binouze, c'est chez Ouais, nous, c'est c'est une un jus de bière, fruits. d'accord. Vous venez d'où, monsieur? Enfin, quelle région? Ah, de Belgique. Belgique, d'accord. C'est pour dire, enfin, en France, surtout en France métropolitaine, pour nous, une binouze, une bière, c'est la même chose, oui. C'est un D'accord, mot un peu plus mais drôle que bière, quoi. maintenant Voilà. je le saurai, hein. Donc, ouais, pour dire, sachant que vous êtes moniteur, je pense que vous savez que vous n'avez pas le droit de conduire. Les Bah, personnes avec qui une conduisent bière, vos on a le véhicules, droit vous n'avez qu'une pas le bière. droit, vous voyez, voilà, quoi. Faut être Ouais, propre, quoi. mais y a pas de souci, y a pas de souci. Non, bon, on vous laisse, monsieur. Bonne soirée à vous. Je vous laisse vous raccompagner, Sandrine, Y a pas de pardon. souci, rappelez-le moi. Bonne Au soirée revoir, à vous, monsieur. monsieur, puis Au revoir, au monsieur. revoir. Oui, pas de Au souci, je revoir. vous suis. Ah là 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 là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le préfet. Enfin, Ah, bonsoir. 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 Ça avance, Alors, monsieur le préfet, vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? je viens, je reste là. Là. On reste là, ouais, Puis on je vous reste là, explique on est bien, non? de quoi, pardon? Je vous explique ce qui s'est passé. Non, mais monsieur le préfet, il faut que ça soit dans la salle là-bas, parce qu'il y a une caméra qui enregistre tout. C'est une salle de briefing, vous voyez, donc bon. Hein. C'est pas vraiment le Oui, lieu. alors Bon, il y a aussi une on fait un caméra là, briefing. regardez ça. C'est un projecteur, ça, monsieur le préfet. Ouais, voilà. Ah, merde. Ouais, monsieur le C'est pas préfet, grave. vous, c'est. Il est un peu fermé, Merci, monsieur le monsieur. préfet, mais bon. Ouais, bougez-vous là, j'ai pas toute la soirée non plus, hein. C'est vous, monsieur le préfet. Je vois rien. Ah, c'est. Très belle chaise. Merci. Bon, du coup, je vous explique. Effectivement, bon, je conduisais, effectivement. On était pressé, on avait un rendez-vous à la dire. Hein. Et donc, du coup, devant la caserne des pompiers, nous, on a fait un petit dérapage pour retourner plus vite. Et puis, il a voulu nous imiter. Hein. Donc, du coup, en nous imitant, bah, parce que nous, on est des beaux gosses, c'est pas lui. Hein. Lui, il s'est pris le grillage, certainement. Hein, mais nous, on n'a pas eu le temps de s'arrêter parce que voilà, On n'a pas vu, quand on on a était des pressé. rendez-vous, on est pressé. Hein. Donc, la vie d'un de vos concitoyens n'est pas importante, vous préférez un rendez-vous? Non, c'est que vu qu'on était pressé, on n'a pas regardé, on n'a pas vu, on a tracé, vous voyez? Comme mon intervention, vous voyez? Monsieur le gendarme? Ah, monsieur, mon intervention, il y a très J'imagine. peu de victimes déjà. Puis même si, imaginons qu'on percute quelque chose ou qu'on autre. On l'a pas touché, c'est On juste n'a qu'il même n'était pas pas touché. compétent. Bien sûr, on n'a pas touché, on était quoi, 75 mètres derrière C'est un vous. collègue La de moto était dans le gendarme. grillage en feu, monsieur. La victime a Oui, été il a étalée raté sur la son route. on n'a pas touché. dérapage. On n'a pas touché, Il faudra aussi. Ah, mais. On l'a vu commencer Mais à pardon, déraper, ce mais serait après on n'a trop. pas regardé plus que ça, vous Sinon, voyez. on aurait été immobilisé également. Voilà. Oui, et donc vous avez rendez-vous à dire, c'est bien ça? Alors, c'est Je passé peux comment vous le demander rendez-vous? au. Et Bon? monsieur Lazaro. Non, c'est ça ou pas? Non, Oh, Lorenzo. c'est Lorenzo. 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 Oui. Je me trompe tout le temps. Et Lorenzo donc, ça Yano. vous a pris combien de temps le rendez-vous à dire? Une bonne quinzaine de minutes, hein, pas Oui, plus. au moins, oui. 15 Il a minutes, ce quoi. problème de suppositoire des lobbies, j'ai pas très bien compris. C'est bizarre, parce que nous, comment dire, quand on s'arrête, enfin quand nous sommes arrêtés pour la victime, quand on est, comment dire, quand et vous avez où rendez-vous la dire? C'était au siège de la À la dire, dire. d'accord. C'est-à-dire. Parce que Un nous, quand peu on est confirmé reparti avec le d'Union, PDG. d'accord, sans souci. Bah quand on est parti d'Union, avec quoi, 3-4 minutes plus tard, on a vu votre véhicule gris venir en contresens direction Union City. Donc à part si vous prenez un grand détour pour aller la dire, monsieur, c'est que vous Ah mentez. non, demandez au PDG, il est prison. Il est parti. Et je pense qu'il est encore prison, il était là il n'y a pas longtemps. Appelez-le, appelez la dire, hein. Ils ont une fréquence. Hein. C'est la 50, il me semble. 60, 60, c'est la 60. Gendarmerie Non, non, pour c'est la dire. 60, 60, je sais pas. Attendez, arrêtez, j'ai une C'est la radio. gendarmerie pour dire. Vous faites. Bah, pas l'air vraiment là, monsieur. Ça va vous vexer. Comment? Ils ont pas l'air vraiment là. Bah, Vous, je sais pas. vous prenez des rendez-vous en pleine nuit, enfin 22 h quand même. Écoutez, c'est il travaillait de nuit le PDG. Cette journée-là, Vous il cherchez une est toilette? venu nous Et recevoir le là. préfet, ça travaille H24. Ah Oui, oui, je conçois, et le je conçois. PDG était de nuit ce soir-là. Merci. Donc il pouvait que nous prendre là. C'est comme vous, vous travaillez H24, bah moi aussi. Et Ah, la vous dire faites des aussi. jours de repos. Ouais, je vois. Mais oui, enfin, quand même. Avec tout le reste que je vois, monsieur le préfet, le rendez-vous d'Adir, j'y crois moyen.
tu crois. Bah attendez, attends, vous. Bah allez-y, Appelez-le. demandez-lui. Hein. Attendez. Sérieusement, ça répond pas, donc bon, je crois, hein, mais je crois à chaque citoyen de l'île, mais bon. Ah bon. Préfecture pour dire. Bon, c'est bizarre, si je suis à 60, je vous entends pas vraiment mais c'est parler. C'est 60 et 116. Il y a les deux. C'est longue portée, courte portée. Ah, je pensais qu'ils avaient fait un système. Hein. Préfecture pour dire. Vous voulez que je lui envoie un SMS, sinon j'ai son numéro personnel. Hein. On va essayer de le contacter, bon. Peut-être son jour de repos maintenant. C'est bien monsieur Lazaro, Lorenzo. Lorenzo, c'est ça? Oui, Lorenzo. C'est bon, j'envoie le SMS. Je vous laisse passer votre carte. Ah, je veux pas là, je veux pas. J'arrive pas, oui. Bon, je passe ma carte alors. Il est sur la 60. C'est le gendarmerie pour le dire. Ouais, ça vaut respect. Attendez, il m'a dit 60. Des bonheurs pour prise de contact au gouvernement. Ouais, et puis c'est le gendarmerie pour la dire. Aucune idée. Pourriez-vous témoigner que vous aviez rendez-vous la nuit dernière avec le gouvernement? Dès que je suis nouveau, je suis arrivé. On n'avait aucunement rendez-vous, mais... Ça commence mal. Bonne gueule là. Attendez, parlez pas, monsieur. Parlez pas sur la radio. Est-ce que vous les avez croisés durant la nuit ou autre? Si, ça marche pas, vous tiens. De qui, le gouvernement? Le préfet, ainsi que ses gardes du corps, par exemple. Oui, si, ils sont passés... Attendez, ils sont passés où? Ils sont passés au QG de la DIR? Ils sont restés combien de temps? Monsieur, par radio, je peux pas divulguer de temps d'informations, surtout sur des personnalités comme ça, sans avoir votre identité. Je connais de la gendarmerie, par cœur Léo. Oui, bon, je vais expliquer d'une autre façon, mais bon, c'est pas... Vous entrez peut-être en gendarmerie pour vérifier, excusez-moi monsieur, mais... monsieur, je sais que monsieur préfet est sous grande sécurité, donc... Monsieur préfet est en fréquence, donc les étiquettes... Et surtout devant moi, donc je vous écoute. Oui, passé dans la nuit. Oui, mais c'est-à-dire donc c'est l'entretien, quand il est passé où, ça a duré combien de temps? 1 heure, 3 heures, 4 heures, un quart d'heure? Très peu de temps, monsieur. Il avait un point du temps, c'était plus un rendez-vous intercalé. De type, juste pour me donner des clés, donc ça a été très rapide. Et très bref. Ok, je vois. Bah, merci à vous, puis bonne journée, bonne chance à vous. C'est ce qu'on dit. Bonne journée à vous aussi, monsieur le colonel. Bon. C'est ce qu'on a dit, non? Vu qu'il y a eu un témoignage en votre faveur, on va dire que le. Comment dire? On va dire que l'histoire du rendez-vous, hein, c'était. Vous aviez, entre guillemets, un vrai si objectif. C'est le rendez-vous à la dire. On lui donnait ses clés et tout, on lui expliquait tout comment ça marchait. Ça durait 15 minutes, attendez. Hein? Vous connaissez pas le docteur Lobus, ça a pris un peu de temps, si c'est vrai. Il fallait connaître surtout pas le suppôt Lobby. Pardon, monsieur. Donc, souci, messieurs, c'est qu'on dirait. Enfin, là, vous avez rendez-vous, donc, ok, vous étiez entre guillemets pressé. Souci, c'est qu'on dirait, pas seulement une personne qui est accidentée. Sachant qu'en plus, on dirait, vous avez vu la personne qui vous a imité, donc faire le dérapage, entre guillemets. Je vous rappelle ah, que c'est interdit. On l'a pas vu, c'est trop le truc, on l'a su qu'après, oui. Alors, donc, vous voyez faire le dérapage, il a un accident 3 mètres après, donc ça va prendre quoi? Une demi-seconde? Et vous allez me dire que vous avez pas regardez, entendu, pas vu que dalle. Je monte avec mon doigt. Je suis à 100 km/h. Mais attends, c'est que j'ai le temps de regarder. 100 km/h, oui, monsieur. Vous savez que c'est un excès de très grande vitesse et que ça entraîne un retrait du permis immédiat, monsieur. Votre carte, s'il vous plaît. Votre carte. Vous voyez mon doigt là? Oui, je vois la case. Donc là, nous, on a fait comme ça. Après, on était là. Et lui, on l'a vu entamer son dérapage. Mais nous, on était là à ce moment-là. Donc, on a fait comme ça. Quand lui, il a fait comme ça. Vous voyez? Et on n'a pas pu le voir. Ouais, nous, le véhicule, en gros. On va imager, le véhicule était là. Attendez, je trouve ma carte. Notre véhicule, vu que... son, sa moto, crash, vous voyez, dans le grillage. Ah, pour moi, oui, quand il y a un... Moi, ça, on ne le croit pas. Et vous savez que monsieur le préfet, 100 km/h, c'est un excès de très grande vitesse en ville. Vous le savez, ça préfet, on avait les gyros, les sirènes et tout. Alors, oui, je parie, si je vais voir votre véhicule, il n'y aura pas de gyro, pas de sirène. C'est un gyro qu'on emboîte sur le toit, vous voyez, mais... D'accord, donc il n'y a pas de gyro, pas de sirène. Il fait tomber. Il va tomber, oui. Votre permis qui va tomber aussi. Hein. Enfin, celui du préfet, plutôt. Donc, oui, donc, monsieur le préfet, donc, oui, vous n'avez pas de gyro, pas de sirène.
Rien du tout, quoi. Bah, je vous rappelle que j'ai une unité de parainfection. De quoi, pardon, monsieur? Vous vous rappelez que j'ai une unité de parainfection? Ah, j'ai juste une unité, il y a un citoyen qui est à l'hôpital par l'autre fois, donc bon, c'est notre esprit qu'on préfère. Il faut qu'il arrête son dérapage. Je suis en soins intensifs, donc bon. C'est son problème. J'ai envie de vous dire, votre rendez-vous avec les dépanneurs, j'en ai que faire, j'en ai que faire. Non, on le savait pas à ce moment-là, nous, qu'il était en soins, qu'il était pas bien, vous voyez. De quoi, pardon, excusez-moi? On le savait pas à ce moment-là qu'il avait fait un accident. On l'a su qu'après. J'espère bien, parce que sinon, en plus d'excès de vitesse, on vous retient le. On était un véhicule prioritaire, on avait le gyrophare. De toute façon, dans tous les cas, vous n'êtes aucunement apte pour prononcer quoi que ce soit comme sanction à mon égard. C'est pas faux. Par contre, je peux vous mettre en garde. Monsieur le préfet. Parce que, immunité ou pas, il y a toujours plus au goût. Monsieur le collègue, de toute façon, on avait le gyrophare, on toujours plus au goût. Alors monsieur, et vous savez quoi, vu que vous allez partir, allez-y, on va voir. Allez-y, je vous en prie. Ah ben j'attends monsieur le préfet, je reste là. Oh la merde, mon dieu. Mais je pense qu'au bout d'un moment... Oh, c'est bizarre, oh. Y'a pas de gyro, y'a... Oh, y'a rien. On l'a mis là, Ah non, y'a rien. Oui, mais non, mais on l'a déboîté, on l'a fait tomber. Mais... Allez-y, montre-le-moi. Ah, allez-y, va arrêter. Sur la route. Donc, allez-y, et la sirène, le petit avertisseur sonore. Non, c'est aussi tombé sur la route, c'est oui. Par le klaxon, voyons. Ah bah, vas-y, va klaxonner, klaxonner. Vous juste en passager, Harper. Comment ça, c'est monsieur Profil? Que je puisse rentrer. Oh. Ah oui, oui. En passager. Ah, allez, net. Rentrer. Ah bah, c'est un klaxon silencieux que vous avez là, monsieur le préfet. J'ai peur. Il fallait rester en passager. Je suis en passager. Mais c'est en passager, monsieur le préfet. De ma gueule. Attendez, je vais montrer deux tons à monsieur le. Là. Ouais, ça, va. Ah, là, là. Ça va prendre du temps, je le sens. Allez-y. J'espère que vous avez du temps devant ah, vous. Non, hein. Je dois filer là, c'est mon jour RTT donc. Ah, monsieur, oui, je vois votre MP3. Hein. Je vois votre MP3 dessus. Excusez-moi, par contre, je vais m'énerver parce que ça, actuellement, c'est des sons que je n'aime pas trop. Hein. Quelque chose qu'on appelle police. Non, c'est je suis un officier de police judiciaire, je dois vous rappeler. Hein. Ouais, allez, monsieur, vous pouvez ressortir. Surtout Gary Corps, vous pouvez ressortir, monsieur. Je suis chauffeur, monsieur le préfet. Oui, bah, monsieur le chauffeur, vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Je vous voulais. Venez vers moi. Bon, vous savez que, on va dire. Vous savez qu'est-ce que vous venez de mentir à la gendarmerie? Vous venez de mentir à l'eau en disant qu'il y avait le klaxon là. Vous savez que ça s'est puni par la loi. On avait le gyrophare. Alors pas de klaxon, pas de gyrophare. Non, on avait le gyrophare. Derrière vous, vous voulez donc. Je vous dis pour tous les deux. On avait le gyrophare. Alors oui, gyrophare, je vois pas. Votre klaxon, babou, j'utilise mon MP3 pour faire du bruit, monsieur. Ça marche pas. Malheureusement, ça marche pas. Ah d'accord. Ah oui. Donc pour dire. Vous avez immunité ou autre, hein. Vous voyez, très sincèrement, monsieur le préfet, je suis sous votre autorité, ça, je le conçois tout à fait. Mais le souci, vous voyez, c'est que je suis là pour servir les citoyens, et vous avez immunité ou autre, hein, que ce soit un ambassadeur ou autre, je permettrai à personne de mettre en danger la vie des citoyens que on je dois protéger. Vous. Monsieur le chauffeur, si vous continuez à dire que votre gyrophare... Monsieur le préfet, pas chauffeur, s'il vous plaît. Votre carte de conseiller, je précise, premier conseiller. Premier conseiller, effectivement. Belle image, belle image, hein. Belle image que vous donnez là. Vous voyez, j'ai la petite GoPro d'activer. Après, c'est ça va être du temps, ça. Ça va être du temps. Non, allez, sur mon grade. Sur Roger, bien sûr. Donc, pour dire, quand que vous soyez immunité ou autre, très sincèrement, ça peut vous retomber dessus. Hein, je vous le cache pas. Hein, je pense que vous savez plus. Hein, vous savez plus que moi. Je pense que vous savez plus de choses vis-à-vis du gouvernement et autres. Et le souci, c'est qu'on dire, c'est vous. Vous avez une sécurité, vous avez des passe-droits, hein, ça je conçois,
j'en suis conscient. Mais le souci, c'est que ne tuez pas des citoyens, ne mettez pas en danger des citoyens. On n'a pas tué, nom de Dieu. On n'a même pas touché. Monsieur le préfet, il est en soins intensifs actuellement. Oui, mais on l'a pas touché. Alors moi oui, ce que j'aimerais bien, oui, ce serait sympathique d'un préfet, c'est que vous y allez voir, oui, vous excusez. Parce que le problème là, c'est qu'il y a des témoins, il y a des citoyens. Pour une chose que je n'ai pas faite, ah oui, ça c'est très logique. Et monsieur le préfet, le problème c'est que là, c'est que dans un tas des citoyens, c'est vous le coupable. C'est vous le coupable. Là, l'entreprise Biker, maintenant, elle n'a pas aimé le préfet. Oui, ça puis même pour vous, ça peut vous faire un truc d'un OSP pour le prochain mandat. C'est pas grave. Moi, je les aime pas d'avoir trafiqué ma moto aussi. Hein. Ah bah, monsieur, après, ça, c'est un souci. Quoi. Bon, bah, moi, je vous en garde. Ça, c'est sûr, hiérarchiquement, je peux rien vous faire. Le souci, c'est qu'il y a toujours plus haut que nous. Hein, la preuve est là. Mais le souci, c'est que mettez pas des citoyens que vous. On fera plus attention aux habitués en danger. Quoi. On fera plus attention à l'avenir, vous inquiétez. J'espère ça. Enfin, vous pouvez y aller. Bonne fin de journée à vous. Je m'engage à conduire, monsieur le préfet, à chaque fois il conduira plus, vous inquiétez pas. Mais enfin, vous, hein. Non, je sais pas si c'est mieux. Hein. Attends, je conduis, monsieur. Ouais, bonne fin de journée. Bonne journée à vous, monsieur. Toute la sécurité. Bonne journée. Excusez-moi. Vous pouvez me raccompagner jusqu'au QG de DGSE, je m'en pas avec eux deux. Ouais, bon bah, moi je voyais Sandré et AK, je vous laisse. Enfin, jouer ce monsieur. Ah oui, bah oui. Bon, comment ça, il voulait pas monter avec nous, la monsieur de la DGSE. Bon, bref, bonne fin de journée à vous. Là, immédiatement.